Thomas Favrelière lance son premier jeu de société. Alvéola sera présenté vendredi de 15h à 20h chez Addict aux Jeux à Bressuire dans la rue Gambetta. Un lancement qui marque un vrai soulagement pour le Bressuirais qui parvient à ses fins après un an et demi de démarche, s'apparentant parfois au parcours du combattant. Thomas Favrelière au micro de Vincent Nori. Depuis un an et demi que la première idée m'est sortie de la tête, ouais, on arrive enfin au grand jour. Enfin, dans la vie d'un auteur, c'est quand même le grand jour, la sortie de son premier jeu. C'est un sentiment d'excitation parce que d'abord pour être édité, ça veut dire que le jeu fonctionne bien, le jeu est bon, mais les retours, les premiers retours sont bons aussi. Oui, et ben oui, il y a eu plusieurs retours en festival où le public était très conquis et l'éditeur est tombé dessus et voilà, maintenant il fait son petit bonhomme de chemin et avec toutes les phases de test qu'on a fait, oui, il plaît toujours autant. Donc, tu nous rappelles le principe? Le principe, c'est donc sur le thème des abeilles, pose de tuiles, où il va falloir récolter du miel, poser ses ouvrières et réussir à poser sa reine en prenant garde aux frelons qui vont venir embêter un peu les autres pendant la partie. Alvéola, un jeu familial à jouer à 2 ou à 4 à partir de 8 ans. C'est le premier jeu de société pour Thomas Favrelière, salarié de l'association Déambule. Mais la machine est lancée et d'autres jeux vont bientôt sortir. Complètement, car petite anecdote, cette semaine je viens de signer un deuxième contrat de cette année. Donc ça me ferait 5 jeux qui vont sortir à suivre, en comptant Alvéola. Tu commences à être référencé et on aborde ça plus sereinement, la suite plus sereinement, j'imagine. Bah c'est ça, et puis les rendez-vous avec les éditeurs sont plus faciles, ils commencent à mettre un nom dessus. Là j'ai envoyé un mail à un nouvel éditeur, il m'a dit « Ah mais t'es l'auteur d'Alvéola, bah attends oui, on va regarder, machin, enfin... » C'est plus facile. On reste dans le même univers ou est-ce que il est facile de switcher en fait? Ah oui, bah complètement, parce que là j'ai 2 jeux enfants qui vont sortir, il y a Alvéola, il y a un jeu de cartes coopératif et un autre petit jeu de cartes, donc non, c'est totalement divers. En attendant le lancement d'Alvéola, le premier jeu de société de Thomas Favrelière, c'est vendredi de 15h à 20h chez Addict aux Jeux, rue Gambetta, la rue commerçante à Bressuire.